Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau jeu qui s'appelle McDonaldland. Oui, c'est écrit McKids, mais c'est McDonaldland. C'est développé et édité par Océan, qui est un bon jeu de plateforme, où vous contrôlez deux enfants qui doivent retrouver des items qui composent un sac à dos volé par Hamburglar, le méchant de l'histoire. Donc vous vous baladez dans McDonaldland et vous cherchez des items. Vous pouvez jouer à deux, mais le mode de joueur dit en fait que vous devez faire deux fois le même niveau avec un autre personnage. Donc on va faire le petit 1. Mmh. Allez, regardez, go. J'ai dit que faire quelque chose. Voyez là. Et voilà. Non, vous êtes Michael Jackson. Quand vous touchez les petites lunes, vous pouvez changer de perso. Casquette, coupe afro. Casquette, coupe afro. Bon, allez, on va prendre une casquette, c'est parti. Grenouille très bien faite. Moi je passe l'intro, on s'en fout. Donc le jeu commence, vous contrôlez le garçon à casquette et Ronald, et oui, vous dit Help, Hamburglar m'a foulé dans mon sac, aidez-moi à le retrouver. Bon bah, le petit garçon acceptant. Elle dut faire un niveau, plusieurs d'ailleurs. Et puis, pour retrouver les items, vous devrez affronter des... En haut à droite, vous avez 6 items qui s'appellent les cards. Et dans chaque niveau, il y en a un. Et vous devez les retrouver. Elles sont assez bien planquées, mais parfois elles sont très mal planquées. Ouais, vous verrez. Hein. Allez, commençons. Alors. Déjà, il faut savoir la première chose. Hein. C'est bon, je l'ai mis. Non, c'est mon corps, je suis pas trop dur. Les petits items. Bon, ouais. Vas-y, trempe. Regardez. Vous pouvez sauter, mais pas assez haut. Et vous pouvez même pas attraper les deux items qui restent. Non, mais en fait, si, parce qu'en fait, on l'a dans le cul. Parce que après, vous verrez. C'est un escargot méchant. Voilà. Quand je parlais des créatures à éliminer, voilà. Des escargots. Vous devrez aussi affronter des plantes qui marchent. Alors voilà, ça se passe ici. Quand vous courez. Les petits trucs blancs là, à chaque extrémité de la plateforme, quand vous y allez, ils s'inversent et la gravité se change. Regardez. Est inversée. Et voilà, et comme ça on peut avoir le card. Donc là, hop là. Oui. Oui. Rien, il faut savoir ça. Bon, ça sert à rien. C'est de la lumière, bon, je sais pas grave. Ça. Voilà, alors ça vous êtes de l'autre côté en fait, où vous étiez tout à l'heure. Et c'est comme ça pour qu'on vous fait pas. En tout cas, faut le savoir, je trouve, hein, parce que. Ouais, c'est. Moi, c'est. Ouais. C'est un peu le but, hein. Du non-droit manip. Bon, on va peut-être inverser la. Ouais, j'y vais, attention, et. Oui, c'est parti. Merde, on se prend. Attention! Une fleur! En aide! Il y a aussi quelques pièges chadiques, hein, comme... Vous voulez le plus drôle, allez, c'est parti. Wouhou. Aucun choc. Voilà. Petit Rambo, et voilà. Et voilà, vous retapez deux depuis le début. Bon, bah, il va à l'arrache, parce qu'il a, étant donné que je suis sûr, il a pas envie de refaire les plateformes. On a aucune idée, plus envie. Ouais. C'est un jeu narratif. Attends, non, je l'ai pas raté, en fait. Attention, ça va peut-être être là, attention. Ouais, évite bien l'item, enfin l'item, le piège. Je sais où il est placé. Moi, je suis jamais allé. Le pays. Voilà, c'est facile, mais voilà. C'est quand même un bon petit jeu de attention, plateforme. Woodwalk. Notre copain, oui, copain. Bon, voilà, puis vous pouvez aller directement au niveau 3, mais bon, on va faire le niveau 2. Puis regardez, quand vous avez cartes, enfin les cartes, ça enlève les items, et puis vous pouvez la tête de Ronald. Ouais, c'est génial, mais c'est un gauche. Hein. Bah, attention, retrouver l'hamburger là. Ah, ouais, attention, regardez-moi ça. Regardez cette tête, quoi, mon dieu, mais elle est shootée. Oui, bon, je pense qu'à cause de la qualité de l'appareil photo, vous pouvez pas voir, mais bon, à d'autres places,
C'est hallucinant la gueule qu'elle a l'araignée. Voilà. Merde. Ah, tu t'es loupé. Ça craint. Ça craint même à mort. Bon, voilà. Une petite araignée. Elle sert à quoi au fond? Étant donné qu'on peut passer dessous. Oups, excusez-moi. Vous voyez là, il y a carte. Je suis bien caché avec mon nez, sur ma tête. Merde. Ah, c'est bon. Bon, maintenant faut la passer. Ah oui, là, attention. Regardez là, il y a un petit bateau. Et oui, c'est un bateau. Attention, il y a même une hélice. Et là, je viens de me prendre le piranha. Car avec ce bon gameplay. Qui est bon. Attention, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça passe du moment. Là, tu l'as là, eu. Je crois que tu es debout même, c'est pas grave. Et là, vous visez. Oh mais non, mais comment est-ce que je vais faire? Mais regardez. Ha ha. Mais non, faut savoir ça encore. Casse-tête. Une petite araignée. Ok, bon, le cartes, je sais pas s'il est revenu ou pas. Je pense que peut-être t'es comme dans les Schtroumpfs. Ouais, peut-être. Ah ben oui. T'as l'item, puis si tu crèves, au niveau suivant, bah tu l'as pu. Peut-être monter dans le bateau. Oui, c'est vrai. Le superbe bateau, j'ai envie de dire. Bon bah, allons-y. Yes. Et non, non. Ah, vu la grosseur du personnage, j'ai l'impression que le bateau il pourrait couler. Mais bon, ça, c'est assez réaliste. Avec le bateau, il montre l'item là-bas qui était là-bas. Donc je vais essayer de la mettre. Attendez. Comment il fait pour manipuler le bateau là? Il a les deux mains prises. Mais peut-être avec sa bite. Mais tu te fous de ma gueule. Mon pute. Ah, mais c'est un piranha. Et voilà. Je crois que le niveau est fini. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de systèmes sur la route. Je sais pas pourquoi faut prendre celle-ci. C'est pas grave, on s'en fout. Du moonwalk. Youpi, ils ont retrouvé notre mini-card. Bon, allez, niveau 3. Et tu crois qu'il y a plusieurs stages, des trucs comme ça? Ouais, je crois, ouais, j'avais vu ça sur internet. Putain, mais... Wouhou! T'as l'air. C'est moi ou wow. Où il est microscopique, le gamin? Bon, faut marcher sur les feuilles, ouais. Ok, bonne idée. Oh là là! Kirby! Avec un peu de chance, je l'ai dit. Ça, on l'aura tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Non, j'ai pas envie de crever. D'accord, c'est du vide. Mais non! Il y a ça dans le vide. Une jolie petite musique. T'as d'ailleurs, en parlant de la musique, je la trouve un peu ringarde, la musique. Bof. J'aime pas non plus trop les couleurs, je veux dire les couleurs sont trop vives. C'est une nibite, hein, faut pas. Ouais. C'est très vite de tomber dans le vide. Tiens, vilain! Vilaine poule. C'est bien, voilà. Attention. Là il y a la taupe, il y a René. Et voilà notre carte est là. Encore des feuilles. Justement ça sert à quoi à part prendre des items? Une idée. À des points, tiens. Ouais, ça joli saut. Je crois que ça régénère ta vie, je suis pas sûr. C'est peut-être une option, enfin peut-être une idée, je sais pas. Faut quand même dire que les niveaux sont relativement courts.
quand même, vous voyez, dans le premier niveau, vous avez qu'à courir même pas en, même pas en 30 secondes, vous l'avez fini si vous courez à la fin. Ouais, mais l'intérêt c'est de... Ah, je vais avoir le 1. Yes. One up. Bon, là, je sais pas où je vais tomber. Oh, purée. Oh, la taupe. Voilà, déjà fait à la fin du niveau. Mais bon, pas grave. Le but du jeu, je pense, c'est plutôt retrouver les cartes, enfin, explorer. Mmh. Ah, je crois qu'il y a un nouveau terrain. Non. Et bon, tu dis que c'est de la merde. Bon, c'est parti. Ta gueule. Comment tu fais là? Aucune idée. Tu l'as dans le cul, c'est tout. Ah non, je crois qu'on va empiler les caisses. Ah non, regarde, quand tu les jettes, ça tombe. Je peux même plus monter, tu sais quoi. Ah, peut-être avec de l'élan. Faut empiler les caisses. Non, toi, les empiles. Les empiles. Mais je fais comment? Regarde. Ah, puis merde, de toute façon tu gagnes juste des points, alors ça sert à rien. Bah non, il y a le card. Oui, qui dit qu'il y a une card. À chaque niveau, c'est le but du jeu. Ouais, mais il met peut-être pas là, je veux dire, il est peut-être plus loin dans le niveau. Ouais. Là, en fait, t'as lancé tous les moyens d'y aller. Là. Mais c'est pas grave, au pire. Donc il disait qu'il y avait peut-être un item important. Ouais, mais si je peux pas y aller, je vois pas l'intérêt, au pire. Ah merde, oh ouais. Ah, je sais comment y aller. Oh non, mais je sais pas. Ça craint. Toujours sur ennuyé au bout d'un moment. Mais si tu marques bien, c'est pas la bonne case. C'est pas la bonne, le bon truc. Ouais, t'en fous, allez. Ça se trouve, la boîte, tu l'as trouvée à la fin du niveau. Ah, mais sur un escargot. Merci. Ah, merde. Ah, il y a le one up. Ah, t'en fous. Ah, tu vois, elle est vachement bien planquée, hein. Merde. Tu t'es loupé. Oui, bah c'est bon, hein, ça va là. Hein. Ça va la moquerie. Petit dévergondé. Bon, bah, comment je tu fais? Il est trop baissé. Alors, on y va. Mais non, mais. Eh, tu veux pas la mettre, la relever? Non, ça se refait tout seul. Ça se remet tout seul. Ouais, effectivement. C'est un niveau à chier. Là, qu'est-ce que tu t'en fous? Ouais, je pense qu'au bout de... Comme Mario, Donkey Kong et tout, au bout de 100... Emma. T'as... Oula, merde. Yeah. Fin du niveau. Essayez, attention, le M. Non. Bon, bah, on va vous montrer la première map. On va vous laisser. Et là, comme on est au quoi 4, ouais, encore deux niveaux. Bon bah, les go, on va se dépêcher. Termine vite fait. On vous cache pas, il reste plus que 54 secondes de vidéo. Encore la même musique à chier, même décor à chier. Ouais, c'est pas grave. Niveau à l'arrache, c'est pas grave. Oh, un nouvel ennemi, hein. Oh non, putain, je croyais. Oh, fais chier. Il y a la taupe en haut. Non. Tu t'en fous, allez, fonce. Ah, t'as plus qu'une vie en plus. C'est pas grave, allez, hop. Bon, bon, bah, je crois qu'on. Ah, ok, je peux. Au revoir. On va peut-être pouvoir aller là-bas, mais on peut pas. Non, allez.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que vous regarderez nos prochaines. Ouais. Bon, salut.